Bienvenue sur ce passage en revue des fiches techniques du Coded Space Marines en V9. Aujourd'hui, on va voir les choix de soutien. Peu d'ennemis peuvent survivre à la fureur incandescente d'une escouade Hellblaster. Qu'il s'agisse d'un tyran des ruches tyranniques, d'un big boss orc ou d'un char d'assaut de l'Hereticus Astartes, tous sont réduits en cendres et en scories par les tirs de plasma précis du féroce arsenal des Hellblasters. Ils ont un coût de 33 points par figurine, puissance de 8, 16 si elle contient 6 figurines ou plus. Mouvement 6 pouces, capacité combat de tir 3+, force endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques au moment à 7 et une sauvegarde à 3+. Armes, incinérateur à plasma d'assaut, incinérateur à plasma lourd, incinérateur à plasma. Aptitude, ange de la mort, escouade de combat, arme à plasma, mot-clé facture imperméabilitus Astartes chapitre, mot-clé infanterie, base primaris, escouade Hellblaster. Les escouades Eliminators rassemblent des assassins hors pair de mortels tireurs d'élite qui rôdent dans les ombres du champ de bataille à l'insu de l'ennemi. Les Eliminators peuvent attendre pendant des heures pour placer des tirs parfaits, leurs lunettes sophistiquées leur offrant les données requises pour ne jamais rater leur cible. Ils ont un coût de 30 points par figurine, une puissance de 5. Mouvement 6 pouces, capacité combat 3+, capacité tir 2+, force endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques au mouvement à 7 et une sauvegarde à 3+. Votre équipe est un pistolet bolter, fusil bolter de sniper, carabine bolter incinerator, arquebuse laser, autre équipement, cap de camouflage. Aptitude, ange de la mort, position cachée, tir de couverture. Mot-clé de faction Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé infanterie, base primaris, faux boss, escouade Eliminator. Les escouades centurions dévastateurs dominent le champ de bataille où la présence d'une seule est décisive. Elles opèrent souvent en conjonction avec des escorteurs Stormraven qui transportent alors les Space Marines en leur imposant harnais jusqu'à leur position suivante où ils jouent le rôle de base de tir blindé. Ils ont une puissance de 14, 28 si elle contient 4 figurines ou plus. Pour un coût de 70 points par figurine. Mouvement 5 pouces, capacité combat de tir 3+, force et endurance 5, 4 points de vie, 3 attaques, commandement à 7 et une sauvegarde à 2+. Peut être équipé de lance-missiles centurion, de canons à graviton et de bolter hurricane. Aptitude, ange de la mort, exploit de combat, omniscope, protocole, décimateur. Mot-clé de faction, Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé infanterie, centurion, escouade centurion, dévastateur. Les blindages et les fortifications n'ont aucune chance face au courroux incendant d'une escouade Eradicator. Les Eradicators portent une variante de l'armure lourde MK10 Gravis qui leur permet de survivre aux tirs ennemis le temps qu'ils se placent à courte portée pour déchaîner la puissance de leur propre armement. Ils ont un mouvement de 5 pouces, capacité combat de tir 3+, force 4, endurance 5, 3 points de vie, 2 attaques, commandement à 7 et une sauvegarde à 3+. Peut être équipé d'un pistolet bolter, fusil fuseur lourd et d'un fusil fuseur. Aptitude ange de la mort, escouade de combat, oblitération totale. Mot-clé de faction, Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé infanterie, base primaris, MK10 Gravis, escouade Eradicator. Les escouades dévastateurs pillonnent l'ennemi à longue portée sous les tirs d'armes lourdes, annihilant ceux qui sont pris sous le feu nourri. Une fois qu'elles ont sécurisé la position de tir idéale, elles la tiennent en fournissant à leurs frères de bataille un tir de couverture tandis qu'ils progressent sur le champ de bataille. Ils ont une puissance de 8. Mouvement 6 pouces, capacité combat de tir 3+, force 4, endurance 4, 2 points de vie, une attaque au moment à 7 et une sauvegarde à 3+. Peut être équipé d'un pistolet bolter, d'un bolter et d'un chérubin de l'armorium. Aptitude, ange de la mort, escouade de combat, signum. Mot-clé de faction Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé infanterie, base escouade Devastator. Énorme pierre d'artillerie multifus montée sur chenille, le canon Thunderfire peut briser les assauts ennemis et creuser des brèches dans ses bastions sous ses pilonnages implacables. Capable de traverser toutes sortes de terrains difficiles, il excelle à appuyer les attaques des Space Marines pour renforcer leur défense. Il a un mouvement de 3 pouces, capacité de combat de 6+, capacité de tir 2+, force 3, endurance 6, 4 points de vie, une attaque, commandement à 8 et une sauvegarde à 2+. L'artilleur Tech Marine a un mouvement de 6 pouces, capacité de combat 3+, capacité de tir 2+, force 4, endurance 4, 4 points de vie, 3 attaques, commandement à 8 et une sauvegarde à 2+. Peut être équipé d'un pistolet bolter, découpeur à plasma, canon Thunderfire et de cerveau-bras. Aptitude. Ange de la mort, pièce d'artillerie et artilleur, pièce d'artillerie opérée, bénédiction de l'Omnimessie. Mot-clé de faction. Imperium Adeptus Astartes, chapitre. Mot-clé, canon Thunderfire, véhicule artillerie, canon Thunderfire. Mot-clé pour l'artilleur Tech Marine, infanterie, personnage artilleur. Plateforme à vocation avant tout défensive, la servo-tourelle Firestrike lâche des salves de tir pour sécuriser les flancs d'une base d'opération d'une force Space Marine. Montée sur ses plaques gravitiques, elle glisse sur le champ de bataille vers un emplacement de tir idéal depuis lequel elle pourra faucher les assaillants. Mouvement 3 pouces, capacité combat 3+, capacité tir 2+, force 4, endurance 5, 5 points de vie, 2 attaques en mouvement 8 et une sauvegarde à 2+. Arme, autocanon, accélérateur jumelé, serre laser jumelé. Aptitude, ange de la mort, mot-clé de pression, Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule, artillerie, cerveau tourelle, firestrike. Le Hunter est le principal véhicule anti-aérien de l'Adeptus Astartes. Peu d'ennemis peuvent en effet échapper à son lance-missile Skyspear, dont les projectiles se verrouillent sur la cible et peuvent changer de direction avec aisance, guidés comme ils sont par la momie Servitor, l'un des onéreux serres balistiques du chapitre, inhumé dans le missile.
Un hunter, un tuer puissance de 6, mouvement 10 pouces, capacité combat 6+, capacité tir 3+, force 6 endurance 8, 11 points de vie, 3 attaques au moment à 8 et une sauvegarde à 3+. Est équipé d'un lance-missile Sky Spear. Aptitude, ange de la mort, explosion. Mot-clé, faction impériale Maledictus à Sartes chapitre, mot-clé, véhicule, écran de fumée, hunter. Le phénoménal ratio d'ennemis abattus du Stalker est obtenu grâce à une paire de canons à répétition dotés chacune d'un système de ciblage indépendant. Ils sont connectés à un conclave de cerveaux-esprits qui analysent diverses trajectoires afin que les tirs du Stalker aient lieu à l'endroit exact, ce qui lui permet de nettoyer le ciel. Le Stalker a une puissance de 6. Un mouvement de 10 pouces, capacité combat de 6+, capacité de tir 3+, force 6 endurance 8, 11 points de vie, 3 attaques au moment à 8 et une sauvegarde à 3+. Il est équipé d'un canon Storm Icarus, portée 48 pouces, type lourde 3, force 7, PA-1, dommage 2, avec à chaque attaque de cette arme contre unité aérosine, faites 2 jets de touche au lieu de 1 et ajoutez 1 à ces jets de touche. Attitude, ange de la mort, explosion. Mot-clé de faction, Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé, véhicule, écran de fumée, Stalker. Une grêle de missiles sature le sol là où frappe le Whirlwind en créant un tapis d'explosion qui projette des éclats et des flammes dans toutes les directions. Le Whirlwind tire depuis une position cachée en soutien des assauts Space Marines et en utilisant sa vitesse pour progresser au rythme de l'attaque. Une puissance de 7. Mouvement 12 pouces, capacité de combat 6+, capacité de tir 3+, force 6, endurance 7, 11 points de vie, 3 attaques au moment à 8 et une sauvegarde à 3+. Il est équipé d'un lanceur Whirlwind Castellan et d'un lanceur Whirlwind Vengeance. Aptitude, ange de la mort, explosion. Mot-clé de façon impériale d'habitude, ça sert à chapitre. Mot-clé véhicule, écran de fumée, Whirlwind. Les prédateurs destructeurs servent l'empereur depuis plus de 10 000 ans avec ténacité et détermination, prouvant leur valeur en massacrant des hordes de fantassins ennemis, brisant les assauts et dévastant les véhicules légers. Pour les Space Marines, ils sont toujours dépassés en nombre, leur puissance de feu s'est révélée cruciale. Il a une puissance de 8, mouvement 12 pouces, capacité combat 6+, capacité tir 3+, force 6 endurance 7, 11 points de vie, 3 attaques au moment à 8 et une sauvegarde à 3+. Peut être équipé d'un bolter lourd, d'un canon laser, d'un autre canon Predator. Aptitude, ange de la mort, explosion, mot-clé de façon Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule, Predator, écran de fumée, Predator, Destructor. Les Predator Annihilator excellent en tête des fers de lance blindés, se déplaçant à grande vitesse sous son tyran. Leurs équipages sont fiers de la férocité de ces esprits de la machine et plongent volontiers dans les combats les plus denses pour briser les colonnes de chars adverses et les complètes de bunkers. Ils ont une puissance de 8, pour un mouvement de 12 pouces, capacité combat 6+, capacité tir 3+, force 6 endurance 7, 11 points de vie, 3 attaques au rendement à 8 et une sauvegarde à 3+. On est équipé d'un bolter lourd, canon laser ou de canon laser jumelé. Aptitude, ange de la mort, explosion. Mot-clé de façon Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé, véhicule, Predator, écran de fumée, Predator, Annihilator. Avec une précision remarquable, le Gladiator Lancer élimine les blindés ennemis les plus lourds, son destructeur laser faisant des trous fumants dans leur coque. La portée de cette arme est telle qu'elle traite les menaces avant même que les Space Marines ne les rencontrent. Il dépasse alors les épaves en feu pour prendre les objectifs. Il a une puissance de 11. Mouvement 10 pouces. Capacité de combat 6+. Capacité de tir 3+, force 7, endurance 8, 12 points de vie, 3 attaques au moment 8 et une sauvegarde à 3+. Arme, lance-grenade Fragstorm, destructeur laser lancer, bolter storm, autre équipement, auto-lanceur. Aptitude, ange de la mort, optite aquilon, charge glisseur, explosion. Mot-clé de faction, Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule Gladiator, champ répulseur, Gladiator lancer. Lorsque les canons du Gladiator Reaper tournent à plein régime, l'intensité des vibrations se ressent chez tous ceux qui se trouvent à proximité. En quelques secondes, des milliers de douilles se déversent depuis les flancs du char, tandis que les ennemis sont rayés de la carte par la tempête de projectiles. Le Gladiator Reaper a une puissance de 12, mouvement 10 pouces, capacité de combat 6+, capacité de tir 3+, force 7, endurance 8, 12 points de vie, 3 attaques au moment à 8 et une sauvegarde à 3+. Il peut être équipé d'un Bolter Tempest, d'un canon Gatling d'un seul tour jumelé, d'autolanceur. Attitude, ange de la mort, char glisseur, explosion. Mot-clé de faction, Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule, Gladiator, champ répulseur, Gladiator Reaper. Gladiator Valiant, pour une puissance de 13. Le Valiant lâche des salves cuisantes tandis qu'il escorte les transports ou soutient l'infanterie lors de combats féroces. En traversant les torrents, les marais et les lacs de lave avec aisance, sa serre laser jumelée crache la mort sur l'ennemi ayant vite raison des blindés adverses et éventrant les positions fortifiées. Il a un mouvement de 10 pouces, capacité combat 6+, capacité tir 3+, force 7, endurance 8, 12 points de vie, 3 attaques au moment à 8 et une sauvegarde à 3+. Il est équipé d'un multifuseur et de serre laser jumelée. Il est équipé d'un autolanceur. Attitude, ange de la mort, charge glisseur. Explosion. Mot-clé de faction, Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule Gladiator, champ répulseur, Gladiator Valiant. Le Vindicator est un char de siège. Il peut écarter les obstacles avec son énorme bouclier afin de gagner la position de tir idéale pour libérer la fureur de son canon démolisseur.
Une arme si destructrice qu'elle peut raser les fortifications ennemies, annihiler les colonnes d'infanterie et briser les blindés avec une facilité terrifiante. Gagne puissance de 7, un mouvement de 10 pouces, capacité combat de 6+, capacité tir 3+, force 6 endurance 8, 11 points de vie, 3 attaques, commandement à 8 et une sauvegarde à 3+. Elle est équipée d'un canon démolisseur. Bouclier de siège Vindicator. Attitude, ange de la mort, explosion. Mot-clé de faction, Imperium, Adeptus Astartes, chapitre. Mot-clé, véhicule, écran de fumée, Vindicator. Les Land Raiders sont des forteresses mobiles qui transportent des escouades de Space Marines à travers les pires tempêtes de feu sans une égratignure. Leurs esprits de la machine sont à ce point redoutables que si leur équipage est tué, ils prennent le relais, ce qui fait du char un élément redoutable. Il a une puissance de 15. Il a un mouvement de 10 pouces, une capacité de combat de 6+, capacité de tir de 3+, une force et une endurance de 8, 16 points de vie, 6 attaques, commandement à 9 et une sauvegarde à 2+. Il est équipé de bolter lourd jumelé et de canon laser jumelé. Aptitude, ange de la mort, explosion. Et en transport, la capacité de transport de 10 figurines d'infanterie chapitre. Chaque figurine Wolfen Terminator Raptor Dorsal occupe la place de 2 figurines. Chaque figurine Centurion occupe la place de 3 figurines. Elle ne peut pas transporter de figurines Primaris. Mot-clé de faction Imperium Adeptus Astartes chapitre. Mot-clé véhicule, transport, esprit de la machine, écran de fumée, Land Raider. Le Land Raider Crusader est le char d'assaut par excellence. Sa masse lui permet d'écraser les défenses adverses et sa puissance de feu prodigieuse taille les défenseurs en lambeaux. Grâce à une capacité de transport améliorée, une fois les positions ennemies enfoncées, il peut déverser des Space Marines pour massacrer les survivants. Il a une puissance de 15, mouvement 10 pouces, capacité combat 6+, capacité tir 3+, force endurance 8, 16 points de vie, 6 attaques au moment 9 et une sauvegarde à 2+. Il est équipé de Bolter Hurricane et de canons d'assaut jumelés. Aptitude, ange de la mort explosion et capacité de transport de 16 figurines d'infanterie chapitre, les Wolfen Terminator Reactor Dorsal coupent la place de 2 figurines et les Centurions de 3 figurines. Mot-clé de faction Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule Land Raider, transport, lanceur d'assaut, esprit de la machine, écran de fumée, Land Raider Crusader. En guerre urbaine, il peut s'avérer impossible de déloger un ennemi retranché, mais pas pour le Land Raider Redeemer. Lorsqu'il actionne ses canons Flamestorm, quiconque est pris dans le brasier de Prometheum est condamné. Les bunkers, nids de mitrailleuses, factorum en ruine et autres blocs d'habitation brisés sont nettoyés de toute présence hostile. Il a une puissance de 15, mouvement 10 pouces, capacité de combat 6+, capacité de tir 3+, force endurance 8, 16 points de vie, 6 attaques au moment à 9 et une sauvegarde à 2+. Il a un canon Flamestorm, canon d'assaut jumelé, aptitude, ange de la mort, explosion. Capacité de transport de 12 figurines d'infanterie chapitre, 2 choix d'occupation pour un réacteur dorsal Wolfen, Terminator, et 3 pour les Centurions. Mot-clé de facteur impérium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule Land Raider, transport, lanceur d'assaut, esprit de la machine, écran de fumée, Land Raider Redeemer. Couvert de blindage avancé et armé pour faire face à n'importe quelle situation, le répulsor transporte ses passagers en toute sécurité et en outre, il fournit un tir de soutien conséquent. Le terrain dangereux n'est pas un problème pour lui car ses plaques ventrales canalisent une énergie gravitique qui broie les obstacles sous sa masse. Il a une puissance de 16, mouvement de 10 pouces, capacité de combat de 6+, capacité de tir de 3+, force et endurance 8, 16 points de vie, 6 attaques au moment 9 et une sauvegarde à 3+. Le triplé d'un lance-grenade Fragstorm, d'un canon Gatling Onslaught lourd, d'un missile Hunter Slayer, d'une mitrailleuse Iron Hail Icarus, d'une nacelle lance-roquette Icarus, d'un mitrailleuse Iron Hail, d'un lance-grenade Fragstorm, d'une serre laser, d'un canon Gatling Onslaught, d'un bolter storm, d'un bolter lourd jumelé et d'un canon laser jumelé, ou d'un autolanceur. Aptitude, ange de la mort, char glisseur, explosion. Transport. Elle a une capacité de transport de 10 figurines d'infanterie primaire chapitre. Chaque figurine MK10 Gravis occupe la place de 2 figurines. Elle ne peut pas transporter de figurines à réacteur dorsal. Mot-clé de faction Imperium Adeptus Astartes chapitre. Mot-clé véhicule transport, esprit de la machine, champ répulsor, répulsor. Basé sur le châssis du répulsor, le répulsor exécutionneur sacrifie une partie de sa capacité de transport pour accueillir un redoutable armement de tourelles. Même les plus lourds blindés peuvent être paralysés par le faisceau d'un destructeur laser lourd, tandis que les décharges calcinantes du macro-incinérateur à plasma peuvent oblitérer les formations d'infanterie. Il a une puissance de 19. Mouvement 10 pouces, capacité de combat 6+, capacité de tir 3+, force endurance 8, 16 points de vie, 6 attaques au moins 9 et une sauvegarde à 3+. Il peut être équipé d'un lance-grenade Fragstorm, d'un destructeur laser lourd, d'une canon Gatling Onslaught lourd, d'un nacelle lance-roquette Icarus, d'une mitrailleuse Iron Hail, d'un macro-incinérateur à plasma, d'un bolter storm, d'un bolter lourd jumelé, d'une mitrailleuse Iron Hail Icarus jumelé, et d'un autolanceur. Aptitude, ange de la mort, optite Aquilon. Explosion, char glisseur. Transport. Capacité de transport de 6 figurines d'infanterie primaire chapitre et figurines MK10 Travis occupe la place de 2 figurines. Mot-clé de faction. Imperium Adeptus Astartes chapitre, mot-clé véhicule, transport, esprit de la machine, char répulsor, répulsor, exécutionneur. Et voilà, c'est fini pour les choix de soutien du Codex Space Marines en V9.
Prochaine vidéo, on va voir les choix de transport assignés.